crois qu'on a ouvert toutes les portes de la maison, non? h 20, du coup. On va mettre direct la lumière. Coucou les arrivants. Salut Billy, une chef, salut tout le monde. Bah ouais, c'est ça Kotaro, l'histoire avait l'air intéressante là, avec les cinématiques qu'on a vues, donc je pense que c'est mieux de le faire en anglais. Est-ce qu'on apprend des trucs intéressants sur ça? Bonjour Boris, aujourd'hui, vous allez à une maison pour un enterrement. Putain, ça a rien à voir, ça a rien à voir avec la traduction qu'on avait. Rien à voir avec le fait d'être un chaperon, je sais pas quoi. Enfin, sûrement, mais pas dans le sens où on l'entendait. Donc on va à un enterrement, dans une maison. Les gens de la maison pensent qu'il y a un corps... qui doit libérer son esprit pour s'échapper des esprits malins. Et que le corps, pour l'instant, il est resté dans la maison afin d'être protégé. Il laisse toujours un compagnon à côté du corps. Oh mon dieu, les amis, on va devoir tenir compagnie au corps dans la maison tout seul. Le compagnon peut être un membre de la famille ou quelqu'un d'autre qui a été engagé en échange de la monnaie. Au premier rayon du jour, quelqu'un de la secte... Alors, secte, vous avez vu, on a compris. Secte en français, je pense que secte, ça veut dire autre chose. Je pense que c'est quelqu'un des alentours, plutôt, de son entourage, qui va venir récupérer le corps. C'est plus compréhensible. Donc, en gros, il y a eu un décès. Et en gros, il laisse le corps dans la maison jusqu'au lendemain matin. Un proche, voilà. Ils ont traduit ça par secte en français qui n'a rien à voir. Et du coup, ils nous demandent, ils nous embauchent pour qu'on tienne compagnie au corps pendant la nuit. Donc nous, on est un chaperon. Un chaperon, c'est ceux qui gardent ce corps-là. On va être payé. On a été envoyé parce que le propriétaire de la maison n'acceptait pas de faire ce rôle. Mais c'est le rôle de tout chaperon. À qui appartient le corps qui est dans la maison? Peut-être Kim, on sait pas. Apparemment ce serait Kim, mais pourquoi elle aurait été tuée? Pourquoi elle a été tuée? Qui est tuée par quoi? Il va falloir faire en sorte qu'on apprenne un petit peu plus sur ça. Oh, merci beaucoup Dimdou pour ton message. Vraiment, merci beaucoup. J'essaye. Au premier rayon du soleil, ils viendront récupérer le corps. Ok, ils diront que vous êtes un flic et personne ne... Voilà. N'en soit à rien. Même si je pense que c'est pas que ce soit forcément illégal ce qu'on fait. Je vais pas te dire qu'est-ce que tu dois faire quand tu seras dans la maison. Des indices ont été laissés. Ok, il faut donc, voilà, trouver des indices et avancer pour voir ce qu'il faut faire. Dans le même temps, je crois qu'il va falloir faire certaines tâches religieuses. On va en avoir besoin. Je pense que le corps qui est mort, apparemment, il est hanté. Je pense qu'il est hanté. Le corps a l'air d'être hanté de mauvais esprits ou de choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il va falloir faire un peu des rituels pour pas que ça parte en sucette. Maintenant, les choses que tu dois faire après partir de la maison, on l'a vu, c'est prendre le flingue et tout ça. Ok, on l'a vu dans la version française. Ok. Merde. Oh non les amis, je crois qu'on a un premier bug. Les amis, il y a un bug. Santé Davidou. Comme ça on a bien compris l'histoire, on est bien au début, on s'est bien mis dans l'ambiance quoi. Putain, je crois que je vais devoir lire parce que... Le placard, il s'ouvre pas tout de suite. Là, il y avait la GoPro. Là, il y a une arme. Il y a les clés ici.
On peut pas encore. Il y a le talkie-walkie en bas. Ouais, coucou croissant, comment ça va? Ouais, c'est un peu tes mariages, alors faut savoir. Il y en a qui ont la rêve de... Merci Clémence pour follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. Il y en a qui ont la rêve de Ross, le divorceur, sur... dans Friends. Et ben, dites-vous que nous, notre divorceur à nous, c'est pas Ross, c'est croissant. Je le connais, croissant, hein. C'est pour ça que je me permets, je me permettrai pas sinon. Je taquine, mais... Il en rigole lui-même. Ok, c'est tout bon. C'est parti. Merci Célia pour follow sur Twitch. Bienvenue dans la commune. J'ai pris la lampe. De toute façon, ils nous auraient pas laissé partir. Ok, là, ça va être intéressant. Donc c'était un jour auparavant ça. Donc on va apprendre le corps qu'on doit garder, comment elle est morte. Ok, il a juste laissé sa maison et il a traversé la ville. Et elle marchait les larmes aux yeux. Et non pas lui, dans la traduction française ça disait que c'était lui. La femme a pris l'enfant. Non, le mari a pris l'enfant et regardait sa femme avec un air inquiet. Et apparemment, c'est le mari qui aurait tué ça. Pensez les deux, bah il y a un corps, donc je sais pas. Parce que même la traduction anglaise, elle est bizarre, les amis. Mais déjà, c'est plus compréhensible que la version française. Je pense que le jeu... Je crois qu'il est russe. Et ils ont tout fait à la Google Trad, je pense. J'ai besoin de me réveiller avant de commencer ma mission. Alors, j'ai un ami qui suit les opérations via ordinateur. Il sait que j'ai un job difficile. Oh mon dieu, dites-moi que je peux utiliser ma lampe. Ah, oh mon dieu, il a l'air trop beau graphiquement. Ça a l'air incroyable. Coucou à tous les arrivants. On va mourir, on va mourir. Le jeu, il est trop réaliste, les amis. On va mourir, c'est sûr. Ok, les interrupteurs électriques. Vous pouvez utiliser des interrupteurs électriques sur les côtés du mur. J'ai pas eu le temps de dire la fin. Ils sont sérieux dès le début comme ça? Il y a quelqu'un qui me parle dans le cou? Ouais, il y a un bruit de ressort bizarre. Ah putain, les amis, on filme avec la GoPro. On filme avec la GoPro qu'on avait pris au début du jeu. Déjà les tableaux sont un peu bizarres. C'est quoi ce tableau? On dirait qu'il y a des chaînes sur le côté. Les tableaux là, c'est... Je pense pas que ce soit de l'art abstrait, hein. Je pense que c'est en mode... Attendez, on vient d'arriver des toilettes, on va faire chambre par chambre. Enfin, pièce par pièce. On peut pas rentrer, j'ai l'impression que ça grésille, c'est pas content quand on essaie d'entrer là. Je pense qu'il faut pas rentrer là. Graphiquement, le jeu il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais le jeu graphiquement, je le trouve incroyable. Il y en a qui ont peur des gnomes. Je sais qu'il y en a qui ont peur des gnomes, des petits gnomes. Moi j'ai pas trop peur des petits gnomes, mais je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Merci pour les gifs, les amis TikTok. Merci Caro.
un Shiba Inu. Ok, pour rien faire là. Je crois qu'on a fini avec la, cette chambre là. Ah, l'interrupteur, je suis bête. Ils ont dit qu'il fallait... Ils ont dit qu'on pouvait utiliser les interrupteurs. J'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué. Apparemment, il y a une contrainte avec les interrupteurs. Je sais pas ce que c'est. Mais là, ils s'allument pas. Peut-être que je peux pas avoir trop de lumière en même temps. Coucou tous les arrivants. Je vais réessayer, mais... Je peux pas allumer la lumière. Non, il se passe rien. Merci Schizo pour le sub. Merci beaucoup pour les 6 mois d'un coup, Schizo. Merci énormément. Merci beaucoup, Schizo. Ok, il nous reste ce couloir-là. J'ai l'impression que c'est de là que ça parlait, les petits murmures qu'il y avait. Il y a une porte qui s'est ouverte. Merci beaucoup, Schizo. Allez, c'est parti. Bon, ils nous ont foutu dans le noir total. Oh, la lampe, elle éclaire rien. Donc là, c'est fermé. Faut trouver la clé qui ouvre ça. Je pense qu'elle est au rez-de-chaussée. On a fini de visiter l'étage. Sérieux? J'ai entendu courir et il y a les bruits des portes. Merci Flamus pour le follow, bienvenue dans la commune. Il y avait une ombre, j'ai pas vu, vous avez vu quelque chose? J'ai entendu courir, il y a eu un bruit de porte. La maison fait des bruits de dingue. On avait regardé là, j'ai un doute. Oh mon dieu, je pense qu'on n'a pas vu parce que ce panneau, je l'aurais vu. Ce panneau, ce tableau. Ce tableau de l'enfer, il me dit rien. Esprit, es-tu là? Si tu es là, fais-nous un signe. Ok, on a de la lumière au rez-de-chaussée, c'est la bonne nouvelle. Il y a le ballon qui a roulé. Putain, c'est quoi en plus? Il y a une tête d'enfant ici, au secours quoi. C'est Chucky, regardez ça. Putain, ça fait peur leur truc de caméra à chaque fois. Vous pensez que c'est en haut, le ballon il est arrivé d'ici? Le ballon il était à l'étage, non? Je crois que le ballon il était à l'étage. On va quand même voir si on peut pas ouvrir d'autres portes. C'est la cuisine. Coucou tous les arrivantes et les arrivants. Ok, on peut mettre de la lumière dans la cuisine, il y a une bonne bouteille d'eau coca. Ou elle a dit what the fuck? Elle a dit what the fuck, on est d'accord. Ok, beaucoup de coca. Il y a une casserole, du lait. Ok, la petite télé dans la cuisine. Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans les placards? J'arrive pas à ouvrir la porte. Attendez, il y a trop de portes ouvertes, c'est le bordel.
Là, il n'y a rien. Le frigo, il fait un bruit d'enfer. Oh mon dieu, le couteau. Giontins, ça va être une bonne marque de couteau. C'est un saucisson pourri à côté ou je rêve? C'est quoi? C'est du boudin? C'est un saucisson? Mais le saucisson, il est pas marron en général. C'est quoi ce saucisson? C'est du chorizo? on est censé garder le corps. Je vais retourner leur cuisine, je vais tout bouffer. C'est du boudin? Ah ouais? C'est du boudin, je pense que vous avez raison. Ok. Le frigo, il fait un bruit infernal. On peut voir ce qu'il y a dedans? On peut pas. Ok, bon, la cuisine, on a fait. Merci beaucoup, Wodana, pour le follow sur Twitch. J'aime bien la commu. Bah, c'est verrouillé. C'est la porte de sortie, ça? Ça a l'air d'être ça. Hein. Je pense qu'il faut aller à l'étage, parce que c'est là où le ballon a roulé. Je crois qu'on a tout fait, les amis. Il n'y a pas tant de pièces que... En fait, la chambre, elle est... la maison n'est pas si grande que ça. Elle a un étage... Pour moi, ça venait de là. C'est en face des escaliers, il y avait le ballon, il était là. Souvenez-vous, au début du jeu, le ballon, il était là. Donc s'il a descendu en bas... Alors, le peigne, je pense qu'il était là. Là, il n'y a rien. Pour rappel, il faut trouver la clé... pour aller au fond du couloir là-bas. On va regarder par ici. Oh les amis. Les jouets y étaient? Les jouets y étaient? Ils y étaient pas? Il y avait pas les balles, Max, on est d'accord hein. Pour moi, il y avait pas les balles hein. Donc je sais pas si c'est une entité ou ce que c'est, mais en tout cas, c'est bien passé par là. Dans cette maison. Oh mon dieu, regardez cet enfer. Vous reconnaissez ou pas? Vous savez ce que c'est? En arrière-plan, c'est la maison. C'est marqué in this house, c'est-à-dire dans cette maison. Exactement, jolie coccinelle. Nous, on est à droite. À gauche, c'est un drap. Vous savez que c'est une de mes phobies, c'est un drap blanc. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sous un drap blanc. Ça on peut pas prendre. Il y a un jouet fusée. Poupée Matriashka. Je crois que c'est un jeu à script les amis. Des fois faut pas forcément faire des trucs. C'est juste le fait de passer à certains endroits qui peuvent déclencher des choses. Un peu comme Iblis qu'on a fait hier. Donc là, on va revérifier, mais normalement... La lampe, j'en ai une déjà. Ah oui, la lampe, on l'a allumée tout à l'heure, Louis, déjà. Ok, cette porte est finie, donc il faut la clé du couloir. On va rechecker, mais peut-être c'est comme les télés, tout à l'heure, j'ai allumé la lampe et je l'ai éteinte. Je crois que c'était celle-là. D'ailleurs, elle est allumée. C'est bien moi qui l'ai allumée tout à l'heure. Oh putain. Je sais pas ce que ça veut dire quand il y a la caméra qui déconne comme ça.
Là, on peut pas. C'est la porte d'entrée. La cuisine, on a fait. Je crois que j'ai pas essayé le passe radio. Oh mon dieu, j'avais pas vu l'affiche de l'enfer. Ah non, c'est bon, c'est un cheval. De loin, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était un petit garçon. Vu qu'il y a la poupée ici, je sais pas, ça m'a... On peut faire quelque chose avec la poupée ? Non, on peut pas. Coucou tous les arrivants. Et à mon avis, vous savez ce qu'il y a dans le hall à l'étage ? La première porte qu'on peut pas ouvrir ? Pour moi, il y a le corps. Le corps sur lequel on doit veiller. Il y a un piège à souris. C'est une clé qu'on cherche, hein, pour rappel. Pour les nouveaux arrivants et arrivants. Ok, je pense qu'ils ont été on leur a demandé de déménager après le meurtre. La lumière qui s'est éteinte et le chien du voisin qui s'est excité. Ah putain, c'était fermé les amis, ça y est, on peut ouvrir. C'est quoi ce panneau ? Et c'est 2h-10 du mat, c'est 1h50 du mat les amis, d'après l'horloge. À part si l'horloge s'est arrêtée. Attends, on peut pas écouter, j'aurais bien aimé entendre ce qu'ils avaient raconté. Oh, incroyable ! Incroyable ! Il y a une Game Boy d'époque les amis. Ça fait du bien dans un jeu d'horreur d'un coup d'avoir une petite Game Boy pour apaiser un petit peu. Oh mon dieu ! Ma console préférée de tous les temps ! Il y a la Super Nintendo. Une Super Nintendo. Pour ceux qui ont la ref. Oh, la Super Nintendo, j'y crois pas. C'est bon, c'est le meilleur jeu au monde. Attends, on va finir de fouiller, voir s'il y a d'autres trucs à récupérer. Dans les trois frères, ouais, c'est ça, Fred. Je crois qu'on a regardé. Peut-être la télécom. Ah! On peut rien faire la télécommande, on peut pas allumer la télé. Ok. Exactement Ange sur Twitch et Gwen sur TikTok. En fait, quand la lumière a disparu et que le chien a gueulé, j'ai pas vu, mais en fait, la poupée, elle a disparu, celle qui était derrière nous. La poupée a disparu, les amis. Putain, en plus, elle est complètement pétée, la lumière, on peut plus rien faire. Je déteste ça, vous savez que c'est ma hantise, les draps, c'est ma hantise. Je crois que l'entité, elle va être sous un drap pendant tout le long. Putain. Je le sens, hein. Sans vouloir me spoiler, quand j'ai installé le jeu, etc., on voit 2-3 images du jeu défiler et j'ai vu pas mal d'images avec un drap comme ça. Ça coule à la cuisine, non ?
Ça a pas pris l'escalier, les amis, c'était la cuisine, non? Pour moi, on l'a vu aller à quatre pattes. On l'a vu passer vers la cuisine. Et merci les amis TikTok pour tout, pour les gens, pour les amis TikTok qui gift, qui like et qui partagent. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, la hachette, elle est là. Le couteau est là. Et le boudin est là. Parce que le boudin, on se méfie pas, mais comme arme... Il y a un autre couteau, là, mais on peut rien en faire. On aurait pas loupé la clé, vu qu'on doit trouver une clé. Coucou, tous les nouveaux arrivants. Vu qu'on cherche une clé, je me dis on l'a peut-être loupé, parce qu'en fait j'ai tellement regardé la Game Boy et la Super Nintendo, on doit trouver une clé pour l'étage. Chapitre du corps mort. Ah putain, ça marche par chapitre comme n'envisage, les amis. Ok, chapitre du corps mort, il y a plusieurs épisodes. Ok, il faut s'occuper du corps qui est à l'intérieur de la maison. Il faut trouver la Bible, je pense que c'est la Bible, Holy Book en anglais. Ok, quand on a trouvé la Bible, il faut laisser sur la table de nuit à côté du corps. Bon, je sais pas si c'est une table de nuit parce que le corps il est mort, il dort pas. Hein. Et ensuite, 3, il faut s'asseoir sur la rocking chair. Pardon, sur une chaise rouge dans la pièce et réciter des prières. Donc il faut trouver la Bible. Je sais pas si c'est ça. La poser à côté du corps et réciter les prières. Le truc c'est que on n'a pas encore trouvé le corps. Je pense que justement c'est la clé qu'il nous faut qui va nous y mener. Et la poupée qui a disparu. Je crois qu'on va refaire l'étage. On n'a pas regardé l'étage depuis que la poupée a disparu. Oh mon dieu, vous avez entendu le bruit de frottement? Vous savez ce que c'est le bruit de frottement? Je sais ce que c'est le bruit de frottement. On l'a vu passer. C'est le drap. Les amis, c'est le drap. C'est le frottement du drap quand elle se déplace à quatre pattes par terre. Cette clé, les amis. Hein. Ah putain, là aussi on peut ouvrir, c'était pas ouvert avant. Ah allez, ça me fait peur. Elle est là. Elle est là. Donc c'est dans cette pièce-là où en fait on va devoir poser... Vous avez vu, il y a une petite table. Va falloir poser ici la Bible et il y a une chaise rouge quelque part. Là, ici. Il faudra se mettre dans cette chaise-là et réciter des incantations, je pense, enfin des prières. Il n'y a rien du tout ici. Par contre, ça a dû ouvrir la porte en bas. Je pense qu'on peut y aller maintenant. On va y aller, hein.
Ok, c'est le sac du docteur, ça, qu'il a laissé ici. Oh, le portable, il y a peut-être des infos dessus. Oh, la clé! Les amis, c'est la clé qu'on cherche. Je pense que c'est la clé qu'on cherchait. C'est bon, c'est la clé du hall. Je pense que je vais commencer à me faire un peu dessus. C'est si ça, si là, le drap disparaît. Il disparaît. Là, ce serait vraiment la merde. Ok, on va pouvoir aller en haut. C'est des rats? C'est des rats? Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a pas de nouvelles de la poupée, les amis. On n'a pas revu la poupée, je trouve ça trop bizarre. Je vous avais dit quoi? Oh putain, c'est la même poupée que dans le film d'hier, les amis. Merci pour les gifs, les amis, sur TikTok. C'est la même poupée que dans le jeu d'enfer d'hier. Mais elle a changé, c'est pas la même... En fait, elle a pas la même tête que la première fois qu'on l'a vue. Vous pensez que la poupée va évoluer? Ouais, la voilà, mais c'est pas la même, Ange. Elle était pas comme ça tout à l'heure, hein. La poupée avait une autre tête, hein. Ok, on a trouvé la Bible, les amis. Donc, il reste plus qu'à descendre, la mettre à côté du corps et réciter des prières, je crois. Oh mon Dieu, c'est elle, mais elle ressemble à une sorcière avec son chapeau. Alors, j'aime bien les sorcières, normalement, mais du coup, là tout de suite... Pourquoi elle a une araignée ? En guise de collier. Thank you. Fuck. Hello? Les mains, les amis, c'était pas là. Et le tableau, il s'est décroché. Oh mon Dieu, vous pensez que... Elle est là? C'est quoi, ça? Non, c'est un meuble? Attendez, il y a les traces de mains ici. Ça mène où? Est-ce qu'on peut... On peut regarder par l'étage si le corps, il est encore là? Ok, le corps, il est encore là. Merci beaucoup M-Core pour le deuxième mois de sub, merci beaucoup. En fait, je pense qu'on a pris la Bible, le corps il commence à s'exciter. Donc normalement, faut poser la Bible ici. Et ensuite, ils ont dit de s'asseoir sur une chaise rouge. Non,
faut encore attendre un peu, il est en train de prier encore. Ça a l'air d'être bon. C'est bon ? On a réussi à votre avis ? Merci beaucoup Chichoui et Wodanaz. Merci beaucoup pour vos subs. Merci beaucoup Chichoui pour les 3 mois et Wodanaz pour le Prime. On a fait ce qu'il fallait faire, non ? C'est quoi ? On peut se barrer là ? On a fait ce qu'il fallait, on a fait toute la prière. Je peux me rasseoir, à votre avis ? Non. La Bible, je peux pas la reprendre. Ça fait un bruit bizarre quand j'essaye de prendre la Bible. Putain, elle va me sauter à la gueule, vous allez voir. Tous les arrivants. Le jouet, il était là, je m'en souviens. Merci beaucoup Oreb the Lord pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commu. J'ai l'impression qu'on a fait les tâches qu'il fallait faire, les amis. Merci Sasm également pour le follow sur Twitch, même dans la commu. Le bébé, il est à l'étage ? Ouais, on va check le bébé, vous avez raison. Il était où le bébé ? C'était pas là ? Ah, c'était au fond. The fuck? Qu'est-ce qu'il fout là avec la chaise sur la table? Ah mais il y en a deux! Oh my god, ils sont plusieurs les amis! Mais attendez, ils étaient plusieurs? Ils étaient pas plusieurs tout à l'heure? Je crois qu'on va éteindre la télé. Il regarde trop la télé. Il regarde trop la télé, c'est pour ça. Je peux pas éteindre la télé, les amis. Il s'est mis en face de la télé. Je peux pas allumer la cheminée, les foutre dedans. Je peux pas éteindre la télé, les amis. J'aimerais trop l'éteindre. Mais je peux pas. Là, y'a rien. Je crois qu'il faut qu'on reparte. On va aller check le corps. On a check le bébé, on va aller check le corps. Quoi ce bordel, il y a des bébés de partout. Merci So, merci beaucoup. 3 mois d'abonnement, merci beaucoup So à toi pour ta présence. Il y en avait qu'un, on en a 3 maintenant. On n'a pas essayé de retourner dans la salle de bain depuis qu'on s'est fait fermer la porte à la gueule. Le corps, il est toujours là.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre porte qu'on pourrait ouvrir? Non. Peut-être qu'on continue sur l'étage, non, vu qu'il y a tous les bébés à l'étage. Il y avait quoi au fond de ce couloir? Et là, c'est notre chambre. Là, c'est la chambre où on a démarré, je crois, non? Non, c'est pas la... On a démarré dans la salle de bain, je me souviens. Je crois, les amis, que quand la caméra, elle grésille comme ça, c'est qu'on a fait avancer l'histoire, je pense. Bon là il y a tous les bébés. On va revoir les bébés. Bah c'est surtout la façon où la chaise elle s'est déplacée vers la télé. La clé on l'avait pris, on a fait ouais. Mais là on a fait tous les objectifs du coup. Si seulement je pouvais éteindre la télé mais je peux pas. Je peux pas éteindre cette foutue télé. J'arrive pas à en faire quoi que ce soit avec. La clé, on l'a fait, les amis, on l'a fait au tout début. Enfin, au tout début. Pas au tout début, mais après, on a eu la clé, on a fait directement ça. Justement, là, c'est cette porte-là qui était bloquée avec la clé. On l'a fait, on l'a fait. Par contre, on est revenu... Alors, le dernier truc qui s'est passé, il y a eu le bébé. Les trois bébés, le tableau qui est tombé. Et les mains ici. Re-Charline. Re-tout le monde. Et le tableau s'est retourné. Attendez, on peut pas faire quelque chose avec le tableau qui s'est retourné? Il y a peut-être quelque chose à faire avec les tableaux. Non, ils ont plus envie de jouer à la Super Nintendo. Et la porte en face des escaliers, on peut plus y aller. C'est la salle de bain, les amis. C'est là où on a commencé le jeu. Bizarrement, on peut plus y aller. Attends, on va revoir la salle où il y a le corps. Là, il y a une béquille. La Bible, elle est là, mais je peux rien faire, les amis. C'est trop bizarre. J'espère que j'ai pas eu un bug encore. Quoique, je pense pas, parce qu'il s'est passé des trucs avec les bébés. Le piano, je peux rien faire. Il a l'air destroy. Il n'y a aucune des touches qui est au même niveau. Là, c'est bloqué. Non, on n'a pas la liste des tâches, quelque part. Ils nous l'ont dit... Ils nous ont dit que ce serait obvious, mais... Il y a le téléphone, mais on peut rien faire avec le téléphone. Le piano, il était ouvert. Il était ouvert, le piano. Après, c'est un peu comme Iblis, les amis. C'est un jeu à script. Donc, il faut tourner jusqu'à voir ce qu'il faut faire. La cuisine, ça fait un moment qu'on n'a pas regardé. Merci, Kenon Telenium, pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Bienvenue aux nouveaux arrivants. On dirait que je peux faire un truc. Des fois, il y a une main qui s'affiche. Ah non, c'est pour la poêle. Ok. On s'en fout un peu de la poêle. Le couteau, il est là. Le deuxième couteau est là. Et le troisième couteau est là. Vous voyez, quand ça fait ça, les amis, le boudin est là. Ça va, tout va bien. Je pense que quand ça grésille, c'est qu'on a fait avancer l'histoire. Je pense. Hein. Il y avait un truc avec les lumières, c'est vrai? Ouais, alors attention, M, c'est peut-être pas fait exprès, les amis, pas de majuscules, s'il vous plaît. Enfin, vous avez le droit à des majuscules pour dire MDR ou des trucs comme ça. Mais faites pas des phrases entières en majuscules, les amis, sur TikTok. Merci d'avance. Les couteaux, ils ont été enlevés. Et bienvenue parmi nous, surtout. Les couteaux, ils étaient là. Après, je pense que le fait que ça a grésillé, c'est qu'à mon avis, il se passe des trucs. Quand ça a grésillé, il y a les bébés qui sont apparus, si je dis pas de bêtises. «
Attendez, il y a une main qui s'est affichée. Je vois pas pourquoi. Il y a un truc qu'on peut faire. Ah, la jarre, on n'a pas regardé. Il y a quelque chose dedans? Non, il y a rien. On va rechecker les bébés. L'hôtesse en bas, si on y allait, c'est là où il y a la Super Nintendo. Dans la chambre, là, c'est normal. Le dessin, il a évolué ou pas? Non. Et là, je crois que c'était fermé. Là, c'est fermé. C'est fermé ici. Ouais, télécommande, ça fait rien quand on clique dessus. On peut la retourner dans tous les sens, mais ça fait rien. Attendez, on va regarder les bébés. Moi, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé avec les bébés. De nouveau. Après, c'est allumé ou éteint? Parce qu'il y a des traces de main ici. Vous voyez ce que je veux dire? Faut peut-être ouvrir l'interrupteur. Mais je sais pas si j'avais déjà allumé. Coucou tous les nouveaux arrivants. Ah, vous voulez quoi le nom du jeu, Fred? J'ai pas vu. Erwan. Ah oui, parce que le nom du jeu, ça... C'est Chaperon, les amis, sur TikTok. Je sais pas si la commande, elle marche bien. Je sais pas si on avait eu allumé ou éteint. Je sais pas comment était l'interrupteur. Bah disons que les lumières, elles s'éteignent, donc c'est un peu bizarre, ouais. Mais après, bon... Et le problème, c'est que ces lumières, il y avait un truc de marqué au début du jeu, on n'a pas eu le temps de lire. Ouais, j'ai vu les bébés. Il y a trois bébés. Il y en a un là, un deuxième là qui s'est tourné vers la télé. Et il y en a un troisième qui est apparu dans le couloir. Donc on a trois bébés. Et pour l'instant, rien de plus. L'horloge, on peut rien faire. Putain, le bébé, on peut pas lui foutre un coup de pied. Le tableau, il s'est retourné. L'ampoule, elle a pété. Il y a eu des traces de main. Il y a des traces de main ici aussi. Il y a des traces de main là. Et là. On va essayer les interrupteurs. J'ai peut-être pas essayé tous les interrupteurs. Ouais, dans le style, ça fait beaucoup penser à Iblis. Après, c'est les mêmes styles de jeu. Merci beaucoup Poupi pour le cœur, merci beaucoup pour le gift de gold Poupi. Merci les amis qui gift sur TikTok. Ah trop bien Striker, t'as la trace, c'était marqué. Vous pouvez utiliser des interrupteurs mais des anomalies peuvent survenir dues aux activités paranormales. Ok. Au top, merci pour le rappel Rodan Striker. Ouais mais du coup... Vous pensez des fois qu'il vaut mieux que je laisse éteint? On va laisser éteindre. Enfin, là, on va l'éteindre pour voir ce que ça fait. Ouais, faut pas mal utiliser les interrupteurs. Faut pas hésiter à les éteindre s'ils sont allumés, par exemple. Ok. Il y a une porte qui s'est ouverte, je l'ai entendu, vous l'avez entendu? Il y a une porte qui s'est ouverte. L'une des portes fermées. Je pense que c'est à l'étage. Ou celle-là? On va juste vérifier si le corps il est encore là. Le corps est encore là. Ok. Je pense que ça a ouvert une porte à l'étage. On a celle-là. Ça c'est la salle de bain. Mais surtout celle au fond là à droite. C'est celle-là. C'est celle-là. Les amis, celle-là elle était fermée, souvenez-vous. Devant le tableau de celle qui fait peur là. De elle.
Oh putain, c'est la chambre de la femme qui est morte à mon avis. Coucou tous les nouveaux arrivants. Les amis, c'est la chambre des parents, c'est sûr, c'est celle qui est morte, c'était sa chambre. C'est rien, c'est que je commence à être possédé aussi et du coup, je fais des éternuements. Merci pour les... à tes souhaits. Putain, mais c'est... C'est quoi ces tableaux de l'enfer aussi? Ok, une ampoule. Elles y sont toutes. Ellie, je t'invite, n'hésite pas à faire point d'exclamation YT. Vous avez les replays sur YouTube, les amis. Et vous avez aussi les replays des lives qu'on fait l'après-midi sur YouTube. Point d'exclamation YT, n'hésitez pas. Et sur TikTok, c'est en bio. La chaîne YouTube. Après, c'est Kenro BTG de partout. C'est facile à trouver. Merci pour le rappel, Loïc Adair. Et merci, Nat, pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Vous pensez que c'est le mari, ça? Non, il fait trop vieux. Ça, c'est une photo qui date de chez... What the fuck? Il y a un flingue? Oh mon dieu, vous pensez que c'est le flingue? Attendez, je peux tirer? Vous pensez que c'est le flingue avec lequel elle s'est fait tuer? Je me demande si c'est pas l'arme avec lequel... Vous vous souvenez dans la cinématique au début, on a entendu les coups de flingue. Moi, je pense que c'est le mari qui a tué la femme. Pourquoi il est devenu fou, on sait pas. Mais ça a l'air d'être ça, hein. Je pense qu'il faut redescendre, du coup. Oh, vous pensez... Oh, j'ai les poils qui sont hérissés de partout. J'ai les poils qui sont hérissés de partout, les amis. Au moment où j'allais dire, vous pensez que je peux flinguer les espèces de poupées de bébés qui nous font chier? T'as fait un bon nakna. Qui c'est qui a sursauté? Le BPM, il est bien monté, Floflo. En plus, ce soir, le BPM, il est haut, hein. Ouais, y'a pas de drame, à mon avis, elle est plus là. À mon avis, attendez, là, c'était l'esprit de la femme, hein. Je suis sûr qu'en bas, elle est plus là. On parie, les amis, on parie. Plus un, Rodan, mais faites plus un dans le chat, ceux qui ont sursauté. On parie que en bas, le drap a disparu. Je vous parie tout ce que vous voulez que le corps, il n'est plus en bas. Toi aussi, Nat. Je suis sûr qu'en bas, le corps, il n'y est plus, les amis. Il y a beaucoup de plus un, quand même, hein. Tant mieux. Je propose, on regarde par l'étage d'abord, ok? Ah non, c'est bon, elle est encore là. Et ben, on va regarder les bébés. Je sais pas si on a bien tout fouillé dans la salle. Il y a 20 interrupteurs dans la pièce, les amis. Merci pour les gifts, les amis. Merci beaucoup, Amandy. Merci tout le monde pour vos gifts, les amis TikTok. Ok, je crois que celui-là, il était. Il y avait peut-être un interrupteur dans la chambre. Ils ont dit qu'il fallait... Enfin, je pense qu'il faut pas hésiter à utiliser l'interrupteur. C'est ça qui nous a débloqué tout à l'heure. Ouais, le bébé dans le couloir, on l'a vu. Il y a 3 bébés pour l'instant. Et merci maman, j'ai vu ton message passer. Juste tout ce qui est lié au nombre de viewers, je relève pas parce que je veux pas... Je veux pas, comment dire... Que vous soyez 100, 400 ou 10, c'est pas grave pour moi, enfin c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave, je travaille pour, mais...
je veux pas changer ma façon de live avec vous pour ça, donc c'est pour ça que je réagis pas trop, mais merci beaucoup pour ton message. L'ampoule, j'ai l'inspecté, on peut rien en faire. Ouais, non, mais on peut rien en faire, l'ampoule, regardez. Il y a beaucoup d'objets, on peut inspecter, mais on n'en fait rien. Après, ce qui est bizarre, c'est que la salle de bain, on peut pas l'ouvrir depuis tout à l'heure. Je comprends pas trop pourquoi. On va quand même redescendre parce que on l'a vu en haut. Mais à mon avis, entre ce qu'on voit d'en haut du balcon et ce qu'on voit en bas, c'est pas forcément la même chose. Coucou tous les nouveaux arrivants. Si, il est là le corps. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le flingue? J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec le flingue, les amis, parce que quand on avait la Bible, avant de poser la Bible ici, on avait la Bible dans la main, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit le flingue. Vous voyez sur le côté l'ombre du flingue? Du flingue, pardon. Donc, c'est que je pense qu'il y a une action à faire avec le flingue. Sinon, il ne nous le montrerait pas autant. On va pas lui retirer une balle quand même, la pauvre. Elle est déjà morte par balle. Oh mon dieu, j'avais pas fait gaffe. Mais il y a un problème. Les amis, il était pas comme ça le drap, le corps il est bizarre. Mais oui, Sab, le corps il est bizarre. En fait, c'est comme s'il y avait un bébé sur elle ou un truc. Mais le corps il était pas comme ça. Il y avait la tête, on voyait la poitrine. Mais là, il y a quelque chose sur elle. Il y avait les jambes. Regardez, il y a quelque chose sur elle, on dirait qu'il y a un bébé. Il y a un bébé sur elle ou il y a un truc. Je peux pas soulever. Je peux pas soulever, mais il y a un truc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un bébé sur elle ou un truc du genre, non? La télécommande, on peut rien faire, les amis, on peut juste inspecter. Il y a des objets qu'on peut juste inspecter, mais ça fait rien. Par contre, c'est les interrupteurs avec lesquels faut pas hésiter à jouer, apparemment. Là, on va rallumer la lumière pour voir ce que ça fait. Là, on va peut-être rééteindre cette lampe. On peut faire le tour, j'ai pas vu si on pouvait faire le tour, non on peut pas. Et piano on peut pas. Et ça on peut pas, qu'est-ce qu'on fait avec le flingue les amis? Vous pensez qu'on a loupé quelque chose dans la chambre? L'interrupteur du couloir, ah j'ai pas beaucoup bougé, c'est pas faux. On va le bouger un peu. La cuisine on a fait il y a pas longtemps. J'ai peut-être loupé un truc dans la chambre, non? Santé aussi. Et là aussi, peut-être qu'on peut. On peut éteindre un coup la cuisine pour voir ce qui se passe. Bon, ça me donne tellement envie de boire du coca. Je sais pas vous, mais le fait qu'il y ait des canettes et des bouteilles de coca de partout. Il n'y a rien dans la cuisine. Je pense qu'on va remonter dans la chambre. Ah bon, c'est vrai, Jessie? Ah oui. Find a gun and leave it on the small cabinet. Cabinet next to the piano. Ok. Exact. Il y a les objectifs dans celui-là. Ok, à côté du piano, il doit y avoir quelque chose sur lequel on peut poser le flingue. C'est là. Trouver le papier avec qui a le certificat de décès. Et le laisser sur la table à côté du corps. Ok, il faut qu'on trouve le certificat.
J'ai horreur de ça. Tout ce qui est jeu d'angoisse avec les draps, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression que l'apparence a encore changé, je suis pas sûr, mais... Le drap a changé un peu de position, ce qui est normal, mais... Merci The Bra pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu, comment ça va? Faites attention, les amis, en plus, quand c'est la première fois que vous arrivez, il y a trois lignes de règles qui vous sont écrites en premier, c'est marqué pas de phrase entière en majuscule. Soyez sympa, s'il vous plaît. Les modos, ils passent leur soirée à faire ça. Que ce soit sur Twitch ou TikTok, vraiment. Je sais que c'est une mode pour qu'on voit plus votre message que les autres, mais il n'y a pas de raison que je vois plus votre message que celui des autres. Alors c'est sûr que les autres streamers, y en a pas mal, ils s'en foutent parce qu'ils regardent pas le chat, mais moi je lis au maximum que je peux, les amis, donc c'est pas cool pour les autres. Non, il y avait une phrase entière. Alors Squeeze, il y avait juste un mot. Bah un mot, oui, vous avez le droit de faire MDR, etc. On n'est pas non plus des tortionnaires, mais c'est souvent des phrases. Après, vous avez le droit de mettre MDR en majuscule, ça va. Ou LOL, c'est bon. Merci The Bra, ouais, je me souviens de toi sur TikTok, merci beaucoup. Bah sois là où tu te sens mieux. Moi je suis très content aussi que vous soyez nombreux sur TikTok, soyez là où vous sentez bien. Soit Twitch ou TikTok. C'est la même commu. Alors attendez, certificat de décès, les amis. Où c'est qu'on va trouver ça? Moi j'aurais dit dans la chambre, mais Salut Sprohan, salut tout le monde. Oh! C'est ça. Tu m'étonnes. Je savais que ça allait être l'horreur pour ça. Je sentais que c'était un jeu avec un mec avec le drap. Ah putain, le corps il a bougé là. Oh non. Puis alors c'est déplacé en plus avec la grosse tache de sang. Ok, j'ai mis le certificat de décès. Rapporter le corps là où il doit être. Il faut essayer d'éviter le plus possible le corps, le cadavre, le fantôme. S'il vous voit, la malédiction va continuer. Mais s'il sent que vous êtes derrière lui, alors le sort va disparaître. Il faut écouter les sons et examiner les choses. Ne soyez pas effrayé du paranormal. Sinon, toutes les malédictions vont être contre vous. Donc faut pas qu'il nous voit. Faut pas qu'il nous voit, faut pas être derrière lui, mais c'est chaud. Comment on va faire? C'est quoi cette saloperie? Ah non, c'est une fleur. Oh putain, oh putain. Non mais ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Salut Gouya, ça va? Ils sont pas sérieux. J'étais en mode comme ça, j'étais en mode tranquille, je me suis rendu. J'ai pas vu Monsieur Brillante. Je suis passé devant, je l'ai pas vu. Moi je regardais la fleur, je l'ai vu quand je me suis retourné. J'étais passé devant sans le voir, vous êtes sérieux? Oh la vache. Merci les amis TikTok pour vos gifts. Oh putain. Oh putain, ça y est, c'est la fin. Oh putain, je pense que là on est à la section du jeu où ça craint là, les amis. Oh oh oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Merci beaucoup Lilia pour le sable, le deuxième mois. Merci beaucoup à toi.
En fait, exactement, la fée pas chier, elle a tout dit, les amis. Coucou les nouveaux arrivants, salut Lucifer, salut tous les nouveaux arrivants. En fait, ça a combiné mes deux phobies dans les jeux d'horreur, c'est les draps, comme ça. Les formes humaines avec un drap, ça me terrifie. Et le fait qu'il y ait quelque chose à côté de moi ou derrière moi quand je me retourne. Du coup, d'où le fait que j'ai crié, je pense que tout l'immeuble a entendu, mais bon. Les araignées, c'est différent. Dans les jeux d'horreur, c'est différent. Les araignées, ils me font peur dans la vie. Enfin, elles me font peur. Attendez, on va aller voir l'étage. Il faut qu'on ramène le corps, hein, par contre, hein. J'ai pas tout compris comment fallait faire, mais on va essayer de se démerder, hein. Je sais pas ce que les bébés viennent foutre là-dedans, par contre. Merci Béné pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Ils ont dit qu'il fallait se repérer au son, les amis. Faut qu'on écoute les sons. Les sons. Ils ont dit que c'était les sons. J'ai l'impression qu'il y a plus de sons à l'étage. Vers la salle des bébés, il y avait du son. Mes voisins doivent me détester. Merci Yankee pour le follow sur Twitch, bienvenue dans la commu et merci pour les gifs sur TikTok, Vanessa, Amandine. Je crois que vers la salle des bébés, il y avait une musique d'ambiance. Attends, on va aller voir. Il y a le bruit de la télé, mais je crois qu'il y avait autre chose. Peut-être ça a bougé. Non, il n'y a plus rien. Je pense que c'est au sous-sol. Au rez-de-chaussée. Je pense que ça a bougé. Il y avait une musique. Après, cette porte, je crois... Ah si, cette porte, on l'a ouverte. Il y a quoi déjà? Bon bah, on l'a trouvé, hein. C'est vrai, merci beaucoup Vanellope. Merci Rollo pour le follow sur Twitch, même dans la commune, coucou à tous les arrivants. Elle vient d'ouvrir la porte du sous-sol, les amis. Merci Camb pour le partage sur TikTok. Merci pour les amis TikTok qui partagent, qui est là, qui est pour les gifts, et pour votre présence. Merci beaucoup, merci Nathalie. C'était sûr, hein. De toute façon, est-ce que vous connaissez un jeu d'horreur? Est-ce que vous connaissez un jeu d'horreur dans une maison où il n'y a pas de sous-sol? On est d'accord, hein, c'est la base. Hein. Cet après-midi, c'était pareil. On a fait un jeu d'horreur dans une maison. Il y avait une porte qui était fermée. Bingo, quand elle s'est ouverte, c'était le sous-sol. Oh putain, mais quel enfer! Quel enfer! Mais quel enfer! C'est ma hantise! Le drap blanc, j'ai cru que c'était elle, c'est autre chose. Putain, mais ma lampe de poche, elle est... J'allume rien. Ouais, il y a la tête de squelette, mais... C'est quoi? On dirait une bâche avec plein de sang. Ok, il doit avoir un briquet. Les amis, il y a un briquet dans l'une des pièces. Prendre le briquet. Se faire un passage dans les ténèbres. On va le traduire comme ça. Il faut se dépêcher. Avant qu'ils arrivent dans la maison. Ok, et il faut déposer le report de mort. Donc ce qu'on a trouvé, donc ça fallait le trouver. Je pense qu'il y a un briquet quelque part à trouver, les amis. Il faut qu'on trouve le briquet. Derrière le canapé? J'ai rien trouvé derrière le canapé. Ah ça, la lune.
Ah non, c'est pas la lune, je suis con, c'est un saut. Oh, elle est belle, la lune. Elle est belle, hein. Mort de rire, Salem. Mais non, vous inquiétez pas. Moi, j'adore regarder des trucs d'horreur avant de dormir. Ça fait faire des beaux rêves. Mais oui, je te jure, Ferdalous. Ferdaous, pardon. J'ai cru que c'était une lune. Je l'ai entendu. Après, on n'est pas venu de ce côté. Je l'ai entendu, hein, elle est là. Franchement, je vois pas le briquet. On va remonter, les amis. Il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Je crois qu'on a ouvert toutes les portes de la maison, non? C'est elle ou pas derrière? C'est elle derrière, il y a un drap qui dépasse. Merci pour vos gifs, les amis TikTok. Non, je pense pas que ce soit elle. Je crois que la porte, elle s'est ouverte, les amis. Je crois que j'ai entendu un bruit de porte, non? Elle s'est pas rouverte? Elle s'est rouverte. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Faut qu'on trouve un briquet, les amis, mais il y a quelqu'un qui est dans le couloir, on fait comment? Le flingue, je peux pas, je l'ai déposé. Puis à mon avis, je sais pas, c'est un esprit, c'est une saloperie, ça passe à travers, à mon avis. Il n'y a pas un briquet? Il faut qu'on trouve un briquet, normalement. Après, la traduction a été faite un peu avec le cul, donc... Attends, on est obligé d'y aller, les amis. Et je peux pas courir. Au pire, j'aurais couru dessus, mais je peux pas. Bonne nuit, Léo. Bonne nuit, ceux qui vont se coucher. Courage à ceux qui se lèvent tôt et coucou à tous ceux qui arrivent en cours. Bon, au moins ça veut dire qu'on va dans la bonne direction, non? Ah putain les amis, je crois savoir où est le briquet. Est-ce que ce serait pas dans la salle de bain? La salle de bain, on peut plus y retourner depuis le début du jeu. Vous pensez pas qu'il y a le briquet dans la salle de bain, peut-être? Ou dans la cuisine? Ah, dans la chambre, il y avait les clopes, Léana? C'est pas bête. Ok, je vais aller check. Là, il n'y a rien. On va check la chambre, et avant, il y a la salle de bain qui est juste en haut. Le sac du docteur, il est plus là? Oh merde, vous avez raison, le sac du docteur, il est plus là, les amis. En plus, je l'ai vu, on a mis le certificat. La Bible, elle est là, par contre. On pouvait pas ouvrir, ouais, à côté du piano. On va aller voir après. Il y a moyen que ça soit un tiroir qu'on pouvait pas ouvrir ou une porte. Mais je crois que les portes, si j'ai pas de bêtises, on les a toutes ouvertes maintenant. Il n'y a rien ici, enfin rien de ce côté.
Le tableau, il était accroché, les amis. Le tableau, il était accroché. Je suis quasiment sûr que le tableau était accroché. Merci, Joël, pour le partage sur TikTok. Merci pour les partages et les likes. Non ? Il me semblait qu'il était accroché. Morgan, il était accroché ? Pour moi, il était accroché, hein. Non ? Sur TikTok, ils disent oui, il était accroché. Sur Twitch, non. Ah, il était accroché, mais il est tombé après. Ok, il est tombé tout à l'heure. Donc tout le monde a raison, moi. Ou tout le monde a tort. Il est tombé quand ça a tremblé. Ok, j'avais pas fait gaffe. Checker les tiroirs qui s'ouvraient pas, c'est pas bête du tout. Je le sens bien comme ça. Parce que en fait, au début du jeu, on a eu le même comportement. Il y a les clés de la moto, souvenez-vous, au début du jeu. Elles étaient dans un tiroir qu'on a pu ouvrir qu'à la fin. On va activer aussi, désactiver des interrupteurs, parce qu'apparemment, ça fait des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Je crois que là, il n'y a rien. La salle des bébés, on va check aussi, les amis, parce que ça n'a pas évolué depuis tout à l'heure. Mais je crois pas qu'il y avait de tiroir qui s'ouvrait pas ici. La porte du placard ont bougé ? Ah ouais ? De quel placard ça a bougé ? L'armoire de la chambre de la fille ? Ah, vous avez plusieurs à me dire ça. Ok, on va regarder. L'armoire dans la chambre de la fille ? En plus, j'ai checké au début du jeu, j'ai pas rechecké. Vous avez raison, j'ai pas revérifié. La penderie dans la chambre d'enfant. Ok, on va aller voir. Placard de la cuisine, normalement, on a trouvé entre toises, mais on retournera voir. Si jamais on trouve pas. Je crois que je les avais tous... Ah, il y en avait peut-être qui s'ouvraient pas dans la cuisine, mais on les avait quasiment tous ouverts. Ah, putain, bien vu. Bien vu. You need to be in place and report the cause of the death. Je crois qu'il faut redescendre dans la salle. Parce que la traduction, même en anglais, elle est bizarre. Burn away, c'est en gros, il faut mettre feu à le unknown, à comment dire, aux choses immatérielles qu'on connaît pas. Je vais pas pour le traduire à la lettre près en français, ça veut rien dire, ça veut dire le inconnu. On va pas brûler un inconnu, on va brûler quelque chose qui est pas anormal. And go to the dead, et aller à la mort. Ça n'a aucun sens, même en anglais, des fois. Par exemple, c'est marqué « Prendre un briquet et vous trouverez un friquet ». Littéralement, c'est marqué « Take the lighter and you will find the lighter ». Bizarre. Merci beaucoup Audrey pour... Quatrième mois déjà, merci beaucoup Audrey pour ta présence. Merci beaucoup pour le sub. « Take that lighter », donc prendre le briquet et vous trouverez peut-être « Lighter burn away the unknown and go to the dead ». Ça rien dire. Vous devez faire vite quand ils reviennent à la maison. Vous devez être en place et reporter la cause du décès. Faut qu'on trouve la cause du décès, les amis. Je pense que c'est ça qui nous manque, en fait. Le briquet va nous servir, on sait pas encore pourquoi, mais... Moi, j'aurais bien brûlé. On peut pas brûler les... tu brûles tout, Salène ? Non, mais moi, j'allais dire, on peut pas brûler les bébés. Merci, AK, pour follow sur Twitch. Je mène la commu. Genre, eux... Non, ils disent pas ça, Kimo. Ouais, je pense que c'est plus comme ça. C'est prenez le briquet, vous allez trouver la lumière au milieu des ténèbres. C'est un peu ce que j'avais... Tout à l'heure, j'avais dit ça, je crois. Et vous pourrez traverser dans les ténèbres, mais... C'est un peu compliqué comme anglais. Ça se voit que ça a été fait avec Google Trad à partir du russe. C'est moins pire que le français, je dois dire. Qu'on a testé tout à l'heure, mais... Peut-être ici, non ? On va check ici. Merci Mimicapus. Merci beaucoup pour le premier sub. GG à toi, Mimicapus. Merci beaucoup pour le sub. Et merci à Flemundun pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Je me demande, là il faisait un petit peu sombre. Il n'y a pas un truc à cramer au sous-sol ? Ça s'ouvre pas en revanche. Le crâne, Charline ? Ah si, c'était ouvert comme ça.
Charline, c'est encore pire. Charline, elle veut foutre le feu aux ossements, elle. Ils sont pas assez morts. Faut foutre le feu au crâne. On va retourner dans la pièce quand même où il était. Je pense qu'il faut qu'on le retrouve. Le machin. On a le briquet. La première phrase, on l'a fait. Prenez le briquet, on l'a. Oh, merci beaucoup, Unicapu. Ça me touche beaucoup, ta phrase. Merci beaucoup. Et ensuite, faut être en place. Donc peut-être en place, c'est se réassir sur le siège rouge, après. Mais d'abord, il y a un truc à faire avec le briquet. Merci beaucoup, Nanette, également, pour le premier mois de sub. GG à toi, Nanette. Merci beaucoup, les amis. Pour vous, tiens, sachez que ça soutient énormément la chaîne. Vraiment, hein, c'est ce qui me permet de faire ça à plein temps et de continuer à développer la chaîne. On peut pas prendre le flingue et d'améliorer surtout. Il y a pas mal de choses à améliorer sur la chaîne. Notamment mon micro un peu pourri, mais bon. Donc merci à vous, vraiment. La cuisine, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Vous pensez que faut mettre le feu, on lui cuisine un truc? Non, on peut rien faire. J'avais tout ouvert tout à l'heure, hein, la cuisine. Hein. Je pense qu'il faut juste se promener jusqu'à ce qu'il apparaisse, à mon avis. Hein. Je laisse tout ouvert pour voir ce que ça fait. Je pouvais pas allumer le gaz. Non, le pistolet, on peut pas le prendre. On a la main, ça nous... Mais on peut rien en faire. Merci, Jenny. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que le Prime ça renouvelle automatiquement, Licornas. Bonne question. Ceux qui sont abonnés avec le Prime, n'hésitez pas à donner la réponse, je suis pas sûr. Ok, on va faire l'étage. Le papier, vous pensez? Ah, peut-être les bougies. Non, le papier, on peut rien en faire. Il n'y a pas de bougie, le problème. Après, c'est vrai que, quitte à avoir un briquet, ce serait... Ah... Je pense qu'ils ont mal traduit, à mon avis, ça doit être des bougies. Ils ont pas dit bougie. Mais la façon dont ils ont traduit ça, ce serait pas bête. Il y avait pas un truc à l'étage? Oh putain! On y va ou pas? Je crois qu'il faut y aller. Ah mais attendez, il a combien de doigts? Ses mains sont doublées. Ah non mais c'est l'ombre qui est derrière. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut aller avec le briquet, les amis. C'est ça. Mais je pensais que c'est la femme qui était morte. Je suis en train de me poser des questions. C'est un homme. Ok, on a le report de la mort. Donc c'est un homme, les amis, c'était pas la femme. Il s'appelle Martin, il avait 39 ans. Instrument du meurtre, le pistolet. Le tueur, c'est sa femme. Le tueur, c'est sa femme, merci beaucoup Cindy. Ah putain, Martin était, comment dire. En fait, sa femme l'a trouvé en train de le tromper. La femme a trouvé son mari en train de le tromper. Alors que sa femme quittait la maison, Martin s'est mis à la suivre. Malgré toutes ses supplications, il n'a pas réussi à convaincre sa femme. Et dans un moment de colère, elle l'a tué. Et maudit son esprit. Là, ils ont mal traduit, hein. Ils ont dit qu'il l'avait tué, mais c'est bien une femme. Ils ont confondu he et she. C'est pour ça qu'on avait mal compris. Mais elle l'a bien tué. Et elle l'a maudit. Oh la vache! Il a pas fait cocu la bonne personne. Bon bah vous savez à quoi vous attendre maintenant. Martin l'a cherché? Ouais bon, de là à se faire flinguer...
C'est la fin, ouais. C'est la fin. C'est plutôt une belle fin.